Il sème les sketchs écrits par Muriel Robin et joués sur scène par Pierre Palmade et Michel Larocque avaient fait rire des milliers de spectateurs en 1996. Leur adaptation, Il sème enfin presque, est diffusée ce lundi 18 avril sur TF1. Une pléiade d'acteurs, Audrey Fleurot, Michael Youn, Carole Bouquet, Arnaud Ducret, y jouent des couples au bord de la crise de nerfs. À cette occasion, Muriel Robin a fait quelques confidences sur sa vie aux côtés de l'actrice Anne Lenant, et elle a notamment révélé les secrets de longévité de son couple. Elle dit « C'est l'amour. Quand l'amour l'emporte sur tout le reste, tout est parfait. Quand on est en couple depuis pas mal d'années, on sait ce qu'on traverse. On a parfois envie de partir en courant parce qu'on n'en peut plus, mais l'amour est plus fort. On se dit « on reste ensemble ». C'est peut-être parce que c'est le fait d'être deux femmes, mais je pense que ça change les choses au niveau du dialogue. On réussit à mettre des mots sur ce qui s'est passé. On a toutes les deux une forme de lucidité. Ouais, j'ai des trucs qui sont encore à améliorer. Et surtout, il faut reconnaître quand on a tort. C'est peut-être ça aussi le secret. Et puis, quoi qu'il arrive, si l'autre est amoureux, il reste et tout va bien. Ça fait 15 ans que le couple dure. Et Muriel Robin dit « Anne, c'est mon âme sœur, je ne peux pas vivre sans elle. C'est comme ça, elle ne peut pas vivre sans moi non plus. » Et dit « En plus, tout va bien dans mon couple, et aussi à côté, je vais bien, tout va très bien. Eh bien, si côté cœur et côté professionnel, tout va bien, eh bien, on ne souhaite à Muriel Robin qu'une seule chose, que ça continue. »